capitaine reprend la barre. Le colonel nous attend à Albany. Je me demande ce qu'il nous réserve. Comment, nous? Je croyais que tu voulais t'entretenir avec Monroe. Pas m'enrôler dans l'armée. Loin de moi cette idée, Shen. Mais j'admire les idéaux du colonel et je tiens à les concrétiser. Quel genre d'idéaux? Des frontières sûres, des fermes prospères, le libre-échange, tout ce qui manque à ces pauvres colonies. Ça m'a tout l'air d'une noble utopie. Oui, tout à fait. Et que dirais-tu d'y contribuer? Le colonel Monroe est... Mais ses intentions sont certainement louables. Nous rallierons Albany. J'aviserai par la suite. Parfait. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Some I stow forward and some I stow after. 40 fathoms or more below, boys. Ainsi, vous êtes sain et sauf. Oui, grâce au capitaine. Un fier bâtiment, capitaine Cormac. Merci, colonel Monroe. Master Geist, qu'avez-vous appris au sujet des conspirateurs et de leurs nouvelles armes? Leur base d'opération est située dans un fort français en aval de la rivière. Vous aimeriez les en déloger, n'est-ce pas? Les Français ont bâti un fort au cœur de notre territoire. Ils préparent sûrement une attaque. New York est en danger. Vous joindrez-vous à nous, Master Cormac? Oui. Trop d'innocents ont déjà perdu la vie. Je serais d'avis de renforcer notre vaisseau. Le Morrigan est robuste, mais avec quelques ressources, nous pourrions le rendre invincible. Et il se trouve que je connais un avant-poste français non loin d'ici. Ton idée me plaît. Que peuvent bien manigancer les Français? Veulent-ils juste occuper ce territoire? C'est une incursion économique plus que géographique. Certains bandits des environs sont soutenus par des ennemis des colonies. Ils cherchent à saper l'autorité locale. J'ai entendu dire qu'ils détroussent les civils pour revendre les biens de première nécessité à 10 fois leur prix. Les pauvres sont toujours les premiers à souffrir. Colonel, je vous trouve bien euphorique tous les deux. Est-ce l'eau qui vous met en pareil état, ou bien le whisky? Pourquoi diable cette question, très loin, capitaine. Je pense que Shay se pose des questions concernant nos véritables intentions. Il ne faut pas vous en faire. Ma seule préoccupation est d'assurer la sécurité, le développement et l'unité des colonies. Moi qui croyais que les nantis cherchaient surtout les bénéfices. Je ne suis pas un nanti, maintenant. L'argent des canutis. Certainement pas une fin en soi. Quoi qu'il dise, gagner aux cartes ne va jamais gêner. Feu ! Munier, perroquet, cacatois, bonnet ! Au nom évocateur. Thank you.
déconner! Laissez filer l'angle. Si on les laisse faire, ce sera la révolution. Une révolution dans les colonies. Oh,
vous me maudirez plus tard. Lourd ou pas, il faut déplacer ça, le gars. Alors, tunnel. Plie les genoux. Ne va pas trop. Plus vite on aura fini, plus vite on aura détruit. Et cessez de Félicien, j'ai une mission spéciale sur vous. Suivez-moi. Allez. Plus vite on aura fini, plus vite on boira d'eau. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. On n'a pas fini, Sirois. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Et cessez de. Si on vous paye, c'est pour travailler. Vous me maudirez plus tard. Pour l'instant, travaillez. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Merci d'avoir veillé là-dessus pour moi. Attends-la. Ne bouge plus. J'ai mieux à faire. Oh.
bouge plus. Bon travail, Shay. Il ne reste plus qu'à utiliser ces matériaux pour augmenter la puissance du Morrigan. Il nous faudra des canons plus puissants pour approcher de ce fort. Gagne la cabine. Magnifique! Le Morrigan sèmera la terreur parmi les défenseurs de ce fort. Faites honneur au capitaine! Votre navire a fière allure, Master Cormac. Le fort ne devrait guère lui opposer de résistance. Espérons que les Français seront pugnaces. J'ai hâte de me mesurer à eux. Ne souhaitez jamais le combat, Master East. Par les temps qui courent, nous en avons déjà bien assez. De toute façon, il nous suffira de trouver le commandant pour que les Français se rendent, non? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer par affaiblir les défenses du fort. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière.
Donnez-moi de la toile!
Chasseur? Shay! Ça faisait si longtemps. Tu étais parti en mission spéciale? Oui. Achille m'envoie. Quelle coïncidence. Moi aussi, il m'envoie. Ne m'oblige pas! Oh, putain, tu hésites à m'assassiner? Je croyais que c'était ta spécialité. On pourrait s'en sortir tous les deux. Bien sûr, mais j'irai raconter à tes frères que tu es encore. Tu vas devoir me tuer, Shay. Tu as toujours été un bon assassin, Shay. Toi aussi. Dis-moi, que fais-tu si loin dans les terres ? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité de reposer en paix. Le chasseur avait raison. Je n'avais pas le choix. Si les assassins découvrent que je suis vivant, ils me traqueront.